Yo Patalo, c'est Tao, et aujourd'hui les gars, on se trouve sur un nouveau serveur qui est simplement Electronium pour une vidéo présentation. J'ai vu les gars que ce nouveau format vous avait beaucoup plu avec notamment la vidéo présentation de Naltania et ce n'est pas le seul serveur que j'ai présenté et apparemment vous avez été beaucoup à kiffer les vidéos présentations. Vous avez kiffé les gars, on est de retour pour une vidéo présentation et aujourd'hui on attaque en force avec un PvP faction modé. Donc on est actuellement dans le lobby, donc lobby qui est plutôt sympathique sur un thème un petit peu temple maritime, on dirait Atlantide, tu vois. Là des structures, regardez, il y a des poissons, c'est magnifique. Pas là, il y a un pool, franchement, c'est ultra sympa. Donc, on a ici un FFA, donc qui je crois est un Praxis, et on a après ici un Faction. Donc, nous on va aller sur le Faction. Les gars, je tiens à rappeler qu'il y aura des grades à gagner dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez avoir une chance de participer. Donc, les gars, nous voilà dans le spawn. On a ici différents slappers, ça rappelle quelque chose ces skins. Donc, stylé le hammer, on dirait un petit peu le hammer en plutonium. Donc, on a salle d'échange, ici on a un minage et une salle des crafts, on ira voir ça juste après. On va visiter un petit peu le spawn, franchement spawn à l'ancienne, j'aime beaucoup ce genre de serveur. C'est pour ça un petit peu au spawn qu'on avait sur la bêta d'Antaria ou bien sur mon premier serveur PvP faction sur lequel j'ai commencé les vidéos. On peut descendre en dessous ici, c'est un peu particulier. Ok, je sais pas ce qu'il y a ici, à mon avis, on fera des maisons de faction, je sais pas du tout. On est sur un petit spawn avec des builds assez simples, pas des trucs en mode m'as-tu vu, vas-y, tu tapes dans l'œil ou je sais pas quoi. On est sur quelque chose de très sobre, très épuré et franchement je trouve ça très stylé. C'est un petit peu l'ambiance que je recherche pour Antaria. Sinon, merci beaucoup à eux pour cette vidéo parce que c'est une vidéo, les gars, qui est rémunérée. Vu qu'en ce moment, on charbonne l'ouverture sur Antaria, que ça demande de l'argent, et bah, charbonne les vidéos rémunérées. Donc, merci beaucoup à eux de justement financer cette vidéo. Donc, en plus de ça, ils m'ont aidé pour Antaria, ils m'ont passé des plugins, Foudre est super sympa. Même Shining Storm, l'équipe a été ultra présente. Ils vont même vous faire gagner des grades, les gars, ils vont vous passer des grades. C'est pas des grades de merde, donc vraiment, restez jusqu'à la fin. N'hésitez pas à rejoindre leur Discord, à venir sur le serveur. L'IP, c'est tout simplement Electronium- mc.tk port de base, je vous attends les gars. Donc si cette vidéo dépasse les 90 likes, je ferai un nouvel épisode où je conclurai une petite base et je commencerai peut-être un let's play, ça dépend de vous et du staff. Attendant les gars, place à la présentation. Let's go dans la salle des crafts. Nous voilà dans cette magnifique salle, franchement je trouve ça très très stylé la salle comme ça. Fait penser un petit peu avec le gris à un colisée, franchement je kiffe. Au niveau des items ici, on a le stuff volcanique, donc avec l'épée en volcanite. Donc savoir que le stuff volcanite est un stuff qui se farme. Donc je crois que ça se farme à base de graines, puis il y a tout simplement des fragments, des poussières, etc. Et c'est le meilleur stuff, c'est un stuff qui est d'ailleurs légendaire. Donc ici on a l'épée, on a les lingots juste ici. Hop, les bottes, les jambières, le plastron et le casque. Franchement, je kiffe les textures, c'est des textures plutôt originales et c'est assez stylé. On passe ensuite au stuff en topaz, donc qui est le stuff que j'ai actuellement sur moi, qui est un stuff plutôt sympathique et qui donne des effets stylés. Les effets sont les suivants, on a de la vitesse, de la résistance au feu, de la respiration aquatique, la vie en nocturne et un bonus de vie. Qu'est-ce que c'est le bonus de vie? J'en sais absolument rien, mais c'est stylé. Je crois que c'est de la vie en plus, regarde dans ma barre d'inventaire, les gars, j'ai 2 cœurs en plus et ça c'est stylé. Donc on a l'épée ici, boum, on a le stuff, donc stuff plutôt classique j'ai envie de vous dire, mais écoutez, ça fait le taf. On a ici du coup les blocs qui se font avec bah, des topazes, je sais pas si c'est des lingots ou je sais pas comment on appelle ça. On a ensuite le hammer qui ressemble beaucoup au hammer en plutonium. On a ici le lingot en volcanite donc c'est avec des fragments et les fragments qui se font eux-mêmes avec des sortes de poussières les gars. Donc c'est bien ce que je dis, je pense que les poussières elles sont farmables. Ici les gars on a un drawer, un classique j'ai envie de vous dire. On a un item ici, on sait pas du tout ce que c'est, mais on dirait une cisaille, les gars, avec une drôle de texture. Je sais pas ce que c'est, mais hâte de voir ce que c'est. On a de la Dina, un Unclaim. On a ici un Heal-Stick, un Hang-Glider et un Farm Chest. Qu'est-ce que c'est un Farm Chest, les gars? C'est très intéressant. En gros, c'est un farm, tu vas le poser, c'est un coffre, tu vois, qui ressemble à ce qu'il y a en haut là. Tu vas le poser dans ta petite farm et 10 blocs sur 10 blocs autour, ça va récupérer tes cultures quand elles seront poussées au maximum. Donc franchement, pour une farm, tu restes AFK et ça fait le boulot tout seul. C'est super, c'est nickel, c'est parfait. Ensuite, on a de la gapple. On a ici un bloc de farmer. Je sais pas du tout ce que c'est très intriguant ce bloc de farmer. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, les gars, on essaiera de voir ça si on peut l'obtenir dans une prochaine vidéo. Ça pourrait faire un sujet entier de vidéo. On a ici un élévateur, donc ça c'est un ascenseur. En gros, t'en mets un au-dessus, un en dessous. Enfin, du coup, c'est l'inverse. Un au-dessus et un en dessous.
Tu fais X, tu sautes, pof, t'arrives au-dessus. Voilà. Donc c'est pour les farms, c'est très utile quand tu veux monter au moins dans les boss claims. On a ici un truc ici avec de la dirt, je sais pas du tout ce que c'est une texture bizarre, on attend de voir. On a un baril d'XP, donc comme sur Ontaria les gars, en gros tu peux mettre de l'XP dedans. Ça c'est indispensable quand t'as une ferme à spawner, tu mets ça à côté, tu farmes, t'as 18 levels, tu les mets dans ton baril d'XP, ça les stocke comme une XP bottle si vous voulez, et qui vient stocker votre XP, et tout le monde peut mettre dedans, donc toute ta fac peut venir farm et mettre son XP dedans, c'est super. On a un potion launcher, ça les gars, je connais pas du tout dans le monde MCPE. Vraiment, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est, parce que je suis très intrigué par le potion launcher. Je crois que ça lance des potions, mais je suis pas sûr du tout, les gars. Le craft a l'air assez simple, je pense que je peux me le craft dans une prochaine vidéo. De l'obsidienne renforcée, et je pense qu'on a fait le tour, les gars. Franchement, c'est un serveur plutôt pas mal. Il n'y a pas trop d'ajouts, tu vois. Genre, c'est pas Evolia où tu t'y perds dans les ajouts ou autre. On est vraiment sur un serveur avec des ajouts plutôt simples, donc des trucs qui sont pas indispensables toujours. Mais qui aide vraiment le gameplay sans devenir compliqué ou abusif. L'armure est vraiment trop stylée, on dirait une armure en lapis. Je tiens particulièrement à remercier G8 qui m'a fait un don, mais j'ai pas pu rec parce que j'ai eu un problème de rec. Donc il m'a fait don de ce full stuff en topaze, ainsi que de cette épée T en topaze, de ces topazes, et même de cette épée topaze, et de ce diamant, et de ces blocs de fer. Donc merci à lui, franchement, ça fait plaisir. Et si je me souviens bien, il avait dit dans son don, il avait écrit un panneau avec écrit abonnez-vous et likez la vidéo. Incroyable parce que abonnez-vous, c'est aussi une des conditions pour participer au concours d'aujourd'hui. Concours qui va permettre de vous faire gagner 3 grades sur le serveur. Et c'est les 3 meilleurs grades, les gars. On parle bien évidemment du grade roi, du grade légende et du grade seigneur. Donc dans l'ordre, c'est le seigneur, c'est le moins bien. Le roi, c'est l'intermédiaire. Et le grade légende, c'est le meilleur du serveur. Et ouais, les gars, on se fout pas de vous ici, on vous passe le meilleur. Du coup, les gars, vous allez me dire, ouais, Tao, comment participer et tout? Bah alors les gars, c'est très simple, pour participer, vous avez juste à mettre un commentaire dans les commentaires. Jusqu'à là, tout à fait normal. Et ce commentaire, vous mettez « Je participe » et après vous mettez votre pseudo Discord. Donc par exemple, « Je participe », espace, Tao, hashtag 3630. En l'occurrence, c'est mon Discord. Et il faut évidemment vous abonner, c'est la seule condition les gars. Après, je rentrerai tous les pseudos des gens qui ont mis ces commentaires « Je participe » suivi de leur pseudo dans un bot qui va prendre au hasard un des gagnants. Donc je vérifierai bien évidemment que ce gagnant a rempli les conditions, donc qu'il est abonné et il y aura 3 gagnants. Et du coup, bah, ces 3 gagnants, bah, ils auront gagné, voilà, jusqu'à là, tout simplement. Donc voilà, les gars, vous mettez un commentaire et je vérifierai. Les gars, je propose qu'on passe à la suite. Donc les gars, là, on est avec Cass sur MC, donc il m'a invité dans sa faction, qui est simplement la faction Abra. Donc si vous regardez bien, le F-Top, les gars, c'est la première faction avec 1302 power. Donc les gars, je vais attendre sur le serveur pour évidemment battre tout simplement cette faction. Donc on est là, Abra. Je vous laisse venir et essayer de surpasser ça. Voilà, les gars, on vous attend. Petit défi. Donc, on est avec lui. Donc, il y a le grade roi. Je crois que ça, c'est le F-Homme, les gars. Parce que lui, on a un F-Homme. Donc, malheureusement, j'ai pas accès au spawner pour l'instant. Pour des raisons évidentes de sécurité. Ça, c'est le fameux bloc de farmer qu'il y avait. Donc, je sais pas du tout comment ça marche. Je sais pas du tout. Je sais pas à quoi ça sert. Il nous a fait des petits panneaux. Donc, wesh, Tao, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Et c'était la vieille époque. J'avoue les gars, c'était il y a très longtemps, c'est mon premier serveur sur lequel j'ai joué, qui est simplement Scandium les gars, pour ceux qui connaissent. Donc vous avez un petit cucu YouTube, ça fait plaisir. Et bah écoutez les gars, on se connaît depuis mon premier serveur, c'est vraiment des premières personnes avec qui j'ai joué, qui m'a connu quand j'avais 7 abonnés, donc c'est vraiment un des premiers. Qu'on jouait sur Scandium, et comme ça tu vas rejoindre ma fac. Et bah j'avoue qu'on était dans des facs rivales à l'époque, donc il était dans l'Opsi et moi dans la Raptor, enfin bref ça date vraiment. Et finalement bah, je viens de rejoindre sa fac, ce qui est plutôt étonnant, quelque chose que j'aurais pas fait à l'époque. Si on m'avait dit ça avant, j'y aurais pas cru, franchement j'aurais pas cru. Je te fais un petit don avec 2 coffres, PVP et farm, bah ça fait plaisir, donc PVP et farm j'imagine, donc la PVP et la farm. Donc ça va être sympa parce qu'on va tout simplement essayer de connaître un petit peu le serveur, voir ce qu'il y a, les fonctionnalités, tout ça. T'as capté, don égale pub, genre j'ai actuellement les 100 abonnés. Donc bah les gars, il rush les 100 abonnés, ça tombe bien. Donc si vous voulez voir sa chaîne, et bah c'est Cast sur MC, c'est simple, c'est pas compliqué. Donc Cast sur MC, vous allez voir sa chaîne et on va essayer de lui faire dépasser les 100 abonnés, ce serait cool, c'est un poteau, c'est un BG, et tout va dépendre de son don. Si son don il est bien, vous y allez, si c'est de la merde, bah tant pis pour toi. Mais le connaissant, je pense que franchement, il y aura du level. Donc, le coffre de farm, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Un petit ton, ouais, t'inquiète. Donc, on a ici, les gars, un claim finder. Ok, on a 12 de topaz. On a combien de blocs de topaz? 19 blocs de topaz, mais c'est un malade. 18 blocs de lapis. On a quoi ici? Un hammer. Et on a du putain de stuff, c'est incroyable, les gars.
Donc dites-vous que c'est une claim. Pour 38%, il marche très très bien. Donc voilà, si vous voulez faire des pillages, les gars, ça se compte en pourcentage. Donc les coffres, on peut compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Ouais, il y a vraiment tout, les gars, il y a vraiment tout. Du coup, les gars, l'émeraude, les blocs topaz, c'est incroyable, les gars. Imaginez-vous que dans un bloc, il y a 9 topaz. Donc ça fait 19 x 9. Oh, trop de maths, mais ça fait beaucoup. On a des blocs de lapis, idéal pour s'enchanter. Et on a un petit hammer. Donc je vais pas le tester ici, on ira le tester en minage après. Et franchement, on commence très très fort, les gars. Donc la partie PVP, les gars. Oh là là là, c'est très très lourd. On a ici des heal sticks, donc on en a pas mal. Donc PVP, ça va être pas mal, on va pouvoir bien se heal. On a des potions. On a le potion launcher que je voulais tester, les gars. Vous savez quoi? On va tester. Si la vidéo dépasse les 90 likes, on va tester dans la prochaine vidéo. Donc c'est à vous de voir, les gars. On voulait qu'on teste le potion launcher. Dans la prochaine vidéo, faites-moi péter les 90 likes. On a ici du oh, full P4, mais c'est un grand malade, hein. Ah, je m'attendais pas à ça comme stuff. Ah ouais, non mais franchement, grosse dinguerie, les gars, des enderpearls, une épée. Oh là 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 là, l'épée est parfaite, les gars, l'épée est parfaite. Franchement, on commence très très fort, les gars. Je pense que ça doit déjà être le plus gros don du serve, alors que je ne viens que de commencer. Et bah les gars, du coup, un gros merci à Cast pour ce don. Et du coup, bah chose dite, chose faite. Si c'était un beau don, on va aller s'abonner. Et bah du coup, les gars, on va aller s'abonner. Je ferai ça après la vidéo. J'irai m'abonner. Voilà, vous pourrez le voir dans les abonnements. Il y aura sa chaîne. Donc on arrive dans le minage, les gars. Et c'est une petite plateforme comme ça. Ce serait drôle vraiment vu qu'on a un hammer. Profiter pour casser. Ce serait drôle de casser tous les chunks qu'il y a autour. Ça pourrait vraiment être très drôle. Genre t'imagines, les gens ils vont miner et il y a que de la bedrock en bas. Tu vois, ce serait. Il y a du potentiel, du potentiel. Donc apparemment le hammer n'est pas utilisable en minage. Ah ok les gars, donc en gros il a trouvé un bug de dupli avec le hammer. Il l'a dit au staff, du coup ils l'ont désactivé pour l'instant et le hammer est temporairement désactivé. Et ouais les gars, c'est compliqué hein, les bugs à gérer. Hein. Ouais, vous vous plaignez que ça prend du temps à patch, mais les gars c'est pas facile. Merci à Kaz de m'avoir TP aussi dans leur farm. Donc on part sur une petite farm sympathique, hein. On a de la pastèque essentiellement. Franchement, sympa, sympa, sympa. On va pouvoir farm les gars, c'est nickel. Donc on va tester les jobs, hein, évidemment. Tout va y passer, tout va y passer les gars. Les gars, donc on va tester le PVP en allant PVP avec notre cher ami Carbone ici. Donc on va faire un 1v1 rang stuff. Ok, on va tester ce qui vaut le bug. Ok, ouais. Bon, ça sent l'Android, ça. Mais bon, les gars, c'est pas grave, les gars. Il aura eu le mérite de venir. Vas-y, on PVP, on va essayer de se le faire à la main. Ah, j'ai peut-être été un peu trop ambitieux. Oula, 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 oula. Ah oui, j'ai clairement été trop ambitieux. Aïe aïe aïe, il m'a eu! Il m'a eu, j'ai fait le malin, gros, il m'a niqué! Aïe aïe aïe! Ah les gars! Ne soyez jamais aussi prétentieux que moi! Oh ce karma que je me suis pris, les gars! Oh, ah oui! Bon, en tout cas, les gars, je vais lui rendre son stuff. Et franchement, merci à lui d'être venu PVP, c'est pas mal du tout. Franchement, le serveur, j'aime beaucoup. On a une warzone qui est plate, c'est pas une warzone qui est encombrante. Et ça, bah, c'est plutôt nice. Et bah écoutez les gars, ça va être tout pour cette vidéo présentation. Vu que j'ai vu que vous kiffiez ce format, je pense que je vais en faire plus souvent. Donc le format des vidéos présentation de serveur, je pense que ça vous aimez bien. Donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire oui, je kiffe. Comme ça, je verrai qui kiffe. Et puis voilà, tout simplement. Donc n'oubliez pas les gars, pour participer, c'est simple, vous abonnez, vous mettez je participe suivi de votre pseudo Discord. C'est pas compliqué, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi, même si vous participez pas, à vous abonner, à lâcher un like aux 90 likes. Je ferai une vidéo où je présenterai sûrement des petits items sur le serveur, voilà, parce que le serveur est un serveur de BG. Donc sur ce, vraiment, je vous invite à venir découvrir le serveur par vous-même. Il est plutôt simple, les gars, j'ai pas testé en détail, donc je sais pas s'il y a beaucoup de bugs ou autre. Mais en tout cas, en apparence, il a l'air plutôt pas mal. Et ils sont ultra sympas, vraiment, les gens sont full bon délire in-game, donc venez les gars, franchement c'est kiffant, c'est gratuit, vous n'avez pas à payer pour venir. Enfin voilà. Donc c'est Tao et à la prochaine bande de BG!